Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drekolo. On est toujours à 3, même si pour l'instant on ne voit pas mes coéquipiers qui sont là-bas. Salut Chobiti, salut Brodaf. Salut. Ah, il fait mal lui. Et il fallait finir en speed de mon côté de gérer ce... ces petits mâts là. Donc on va faire ça vite fait. Très vite fait. Voilà, là on a porté les deux. Bah moi je pète des cartons. Et bah je vous rejoins de ce pas. Non, c'est mes cartons à moi! Tu vas me piquer mes cartons? Je vais te piquer tes cartons. T'arnaque! Si tu veux, il y a des trucs, faut sauter, faut être fort et. Ah oui. Toutes les viewers, ils t'ont vu passer 20 minutes à sauter pour avoir un plan, bah ils vont pouvoir te revoir sauter 20 minutes pour avoir un plan. Bah, sauf qu'il n'y avait pas de plan, du coup ils m'ont vu sauter 20 minutes pour rien faire. Ah! Ah, ils commencent à avoir l'habitude! Merci, merci de me soutenir, ça fait plaisir. Il reste des trucs sur cette île ? Ou c'est fini ? Ah, il y a encore deux niveaux d'invasion et un petit peu de loot. Il fait nuit donc on va peut-être pouvoir choper quelques champis. Après, il y a tout qui se casse la gueule au camp donc il va falloir qu'on rentre, mais il n'y a pas de camion par contre, on dirait. Ici, il y a du loot, hein. Mais j'imagine que c'est de la merde. J'ai eu des champis. On va prendre la raquette, non on est plein. Gruis, il reste un peu d'invasion, ça salisse l'idée. Ouais, il y en a une là. Ah, il y a un chiotte ici. Dit comme ça, c'est un peu subversif. De repérer les toilettes. C'est ça, c'est le premier truc à repérer. Pourtant c'est pas ma faute s'ils ont mis des chiottes sauvages avec des poubelles. Hein. C'est vrai que c'est assez particulier là. Les chiottes en tas là. Vous avez trouvé Bezas. Oh. Oh. Moi j'ai trouvé un double, du coup bah ça l'a transformé en cuillère brillante. Ah bah c'est toujours ça de prix. Bon bah il reste plus que des champis. Et y a rien d'intéressant. Donc on peut passer direct à la suivante si on veut. Les champis en même temps, on n'en récolte pas des masses, ce serait peut-être le moment d'essayer de les trouver, quoi. On peut essayer de les trouver, tu peux lancer un petit... Ok, et il y a encore deux coffres aussi. Ah ouais, tiens, c'est étrange ça. Ça veut dire que c'est deux coffres d'armement d'un autre côté, donc... Ils sont hyper bas. Ah bah tiens. Comment on y va ? Voilà. Une canne à pêche à 84 et un vaporisateur de désherbant. Voilà, bah j'ai trouvé le dernier champi. Encore un main de tente. Et j'avais vu un coffre, mais du coup je le vois plus. De toute façon, à moins que tu sois en déche d'armes, c'est forcément un coffre d'armes. Donc... Non, mais je dans les terres. Ah. Allez, si on va en face, on pourra peut-être choper des champignons qui fassent jour, même si ça me paraît tendu. Il me faut d'autres régides des terres, là. Je peux en faire combien? Je peux plus en faire. Je peux faire ni point de passage, ni régides des terres. Moi, j'en ai... Et si tu veux, je peux en refaire. Oh, non, mais j'en ai 8 d'avance du coup, mais. J'en ai 11. Oh bah, on est large. Tu veux faire le transport ? Chobiti a arrêté de regarder l'herbe. Elle fait butiner ses abeilles. C'est ça, c'est important. Hey, ils font des jolis petits nœuds les pantalons de jogging. Ouais, ils moi ont je sais des... pas faire un nœud comme ça. Ils ont des petits nœuds devant. Ouais. On te suit, Brodaf. Brodaf. Hop là. Parfait. On connaît cette zone. C'est peut-être aussi un peu ma faute. C'est moi qui l'ai eu là, j'étais devant, j'ai eu Reverber Place. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être l'habitude d'être devant et de la voir, mais il y a peut-être qu'une seule personne qui l'a. Ouais. Je t'entends, ça fait.
Oh, oh bah y'a de la vision là. Je trouve vraiment classe le trombone, hein. Le coup du... il sort son truc, il balance un gros coup, c'est assez marrant. Allez, une petite cache de tissu. Hop, ça c'est fait. Oh, bon, c'est bah moi j'aime bien faire marre les queens avec le marteau de foire. Ça se tient. Bon, j'ai l'impression qu'en dehors du camion, il n'y a pas grand chose de très très intéressant. D'ailleurs, j'ai pas été voir ce qu'ils faisaient. La pierre. Ouais. Je suis pas sûr que ça va avoir le coup de payer une fortune pour la ramener pour l'instant. Bah, elles sont où les autres invasions? Ah, il y a un chiotte là-bas. Ah, il y a un monstre aussi à côté du chiotte. Bon là il y avait un chiotte avec une graine dedans. Deux. Et bah le mien il y avait qu'une seule graine. Hop, voilà. Il a purifié. Ah bah il y a plein de chiottes ici. Et il reste encore des graines et des champis. Et ah, les champis c'est trop tard malheureusement. Ouais mais les graines au moins. Ouais bah ça y est je les ai toutes ramassées. Il reste une flèche. Quelqu'un qui a dû tirer quelque part et laisser une flèche dans le vent. Non, j'ai pas de flèche, moi. Elle était normale, elle était là dans un chiotte tout seul. Le cygne. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un plan. Ah oui, y'a un plan, j'avoue. Ah, j'ai glissé. Hop. Bah, sinon, je voulais aller à la voiture, là. J'ai une égide, je peux y aller, je peux y aller. Je veux des copains. Ouais, bah fais attention de pas... Si t'en as qu'une seule, tu fais comment pour revenir? J'en ai trois. Ah bah ça va. Du coup, ça veut dire toujours par trois. Après, on pourrait faire cette île là, du coup. Je te suis, madame. Tu viens, le signe? Ah, faut qu'on saute trois pour aller à la voiture. Allons à la voiture. Non. Putain, mon clavier qui se bloque. C'est faux, ça. Il y a un coffre derrière. Ouais, on va pouvoir faire grandir plein de gens. On a pas de quoi les nourrir, mais c'est pas grave. Ouais. Ah ouais, là, tu repars comme ça, quoi. Non, je vous attendais quand même. Mon égide était pas fini de toute façon donc. Ah. Ça a fait vro. Bah ouais, on va pouvoir aller par là. Du coup, il m'en restera plus qu'une. Ça y est, c'est fini. Bah c'est moi qui vais faire le traversée. Non, c'est qui qui en a activé une? Ah non, c'est qu'elle se terminait. Oui, c'est qu'elle se terminait. Oui. Go. Ouais, c'est toujours bien d'en garder sur soi au cas où, des fois, quand tu te. Quand tu te vautres d'une falaise, tu tombes. Hein. Ouais. Dans les terres. C'est... Voilà, ça c'est tout moi ça. Toute ressemblance avec quelqu'un étant mort de cette façon. Non, 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 je suis pas morte déjà une fois. Non, je suis comme ça déjà. Oh c'est... bah oui, moi aussi ça m'est arrivé. C'est pas vrai, fois. Les viewers ne m'ont pas vu mourir bêtement. Ah bah, j'ai beaucoup de ronces dans le coin. Ça va devenir Just la vie. Hein. Qu'est-ce qui devient Just? Ma vie. Ah. On va retourner. Putain, c'est trop proche de. Alors celui-là, on va pouvoir le taper sans claquer un égide. Ouais, ils sont beaucoup proches du bord, je trouve, hein, sur cette île-là. Hein. Ouais, y'a un croqueur! Crac, crac, le croqueur! Ouah, y'a un tracker aussi! Bon, ça commence à être pas mal. Par contre, c'est relou ce bruit là, je vais me soigner, tant pis. Le boum boum là. De bouger! Ah, y'a une grotte ici. Je suis mort. Hop. Voilà. Merci madame. Mais de rien. Vite des toilettes. Je l'ai ressuscité. Mais en fait, ils avaient déjà, ils avaient déjà cassé. Je viens de ressusciter. Vite des toilettes. J'en pouvais plus. Il
ici. Oh, une petite cache de d'éléments électriques. C'est ce qu'il nous fallait pour le flipper. Je pense. C'est quoi ce gros trou là au milieu? Putain, la vache, la chute. T'es mouru? Moi? Non, 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 je suis tombé de du bord sur le niveau du dessous, mais. C'est dommage, j'avais les ronces qui restaient en visuel. Celle-là? Ben, je sais pas. Peut-être, vu que c'était celle qui restait. T'as, toi aussi, t'es tombé, Brodeuf, tu cherches comment monter. Ah non, moi j'ai fait exprès de tomber, je voulais voir ce qu'il y avait dans le trou. En fait, il y a rien. Ah oui, dans le trou qui est là, ouais. Bon, ça recommence à être la dèche de bouffe. Ouais, il y a encore le temps de voir venir. Oui, même avec deux flèches, ça va. Ah, t'as pas trouvé toutes les ronces, Chobiti? J'ai purifié, normalement vous avez eu la notif. Ah bah j'ai pas fait attention. Tant pour moi. Bon bah du coup y'a plus rien là. Je vois le coffre qui est par là. Eh bah écoute, on va y aller, ça tombe bien. Hop. J'arrive. Du coup, ouais, on va en face donc. Alors il me faut les égides. J'en ai qu'une, donc je peux aller jusqu'au coffre. Non, non, mais c'est là. Bon, ouais. Go! Cinq, quatre, trois, c'est bon, ça passe. Tu prends un bon œuf pour la suite? Ouais, tu vas aller vers où? J'ai mis mon marqueur là-bas. 75 okay. Mètres droit devant. Vous êtes prêts? Go. Ah putain, une saloperie qui est apparue dans notre dos. Ça va, juste assez rapide. Et voilà. Et une fois qu'on est ici, on peut aller là-bas et on arrivera au chemin de. Oh, y a des. Y a des baies. Effectivement, ça a repoussé un peu, c'est cool. On va passer par les herbes au casu. Ah, il y a un chien. Des petits roseaux. Ouais, on va par là. D'accord, vous êtes prêts? C'est prêt. Chouiti, tu vas passer vite. Je sais pas si c'est mon clavier ou si c'est le jeu, mais des fois elle court pas. Et voilà, on peut prendre le camion. Ouf, j'ai rebondi. Je crois que j'ai pas pris le bon côté là. Ouais, je pense qu'on a tous pas pris le bon côté pour le coup. Pas grave, il suffit de faire demi-tour. Non, c'est toujours. Sont... Putain, c'est quoi ce nœud super compliqué là? Ils sont reliés ces camions? Ouais, ils sont reliés ces camions. Ouais, c'est bon. Je connais pas par là, moi. Tu t'es perdu toi aussi? Ouais, je suis passé devant le gros pylône là, mais je sais pas. Ah, c'est ce qu'il a relié pendant qu'on était parti. Ouais, ça devait être. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Bon bah. Ah, faut aller à droite ou faut aller à gauche? Je sais pas. À gauche. J'ai laissé ma madame faire. Pourquoi il y a une petite musique là? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, déjà on va remplir un peu. Dès que j'aurai trouvé le sens, hein. Pas de stress. Ouais, j'ai pas beaucoup de graines. La carotte un peu plus. Moi j'ai mis des choux. Parfait. Ah, c'est plein. Et on peut compléter avec des carottes. Je n'ai pas pu compléter avec des carottes. Alors, on va peut-être pouvoir se faire un flipper du coup. Ouais, mais je comprends pas le sens en fait. Hop, voilà, c'est bon. Pour en jouer un peu. On va faire ça autrement. On va passer par là, à pied. On a perdu Brodeuf. Non, j'arrive.
Ah, c'est pas tout de me laisser faire les chemins, mais faut les suivre après. Et du coup, on a dit qu'on avait trop d'armes et qu'on pouvait plus en ramasser, donc on va en déposer un peu. On dépose les pas, tu les vends. Bah, c'est du verre quand même. Ouais, enfin, on a vu qu'on était tous équipés en verre, donc. Ouais. Moi, toutes mes armes sont vertes, hein. Je les mets dans le dépôt quand même. Nah, c'est moi qui ai choisi. Si tu veux les revendre derrière à mon dos, t'as qu'à le faire. C'est tout. Tu n'es pas gentil avec moi. Je ne sais pas quoi dire. Et moi, je galère toujours autant. Ton truc, il est affreux, quoi. En fait, t'as deux pentes extrêmement fortes. Et pour voir le chemin que tu dois prendre, c'est un peu compliqué. Par contre, je peux... Ouais, j'aime bien les mettre en hauteur, mes trucs, comme ça, au moins. Alors, attends. Mais c'est ça, full life, il faut le truc jaillir. Soigne-moi. Merci. Alors, ça, on va en garder un peu... Hop. Non, j'arrive pas à choisir. Au niveau des fabrications, on peut faire 3 points de passage, on va les faire. Ah oui, bref, il est à 1 km 200 quoi. Ah oui, carrément. Je vais donner le tournis aux viewers. Ah, pourtant, attends, c'était pas non plus si taré que ça, mon truc, quoi. Ah si, si, t'en as un. Pour choisir le bon embranchement, faut déjà savoir où tu vas et savoir comment le faire. Bah écoutez, je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de fou. Je crois que je vais me téléporter, hein. Talisman... Alors, niveau non, besoin... On produit 12, il en faut 16, donc le plus c'est à faire. Là, on produit 40, on consomme 13 de nourriture, donc c'est bon. Et niveau divertissement, on est à 20 sur 13, donc c'est bon aussi. Parfait. Bah, c'est quoi le truc pour se téléporter déjà? C'est le talisman d'apparition. Ah, j'ai pas les ressources, il manque des amas. Bon, tu peux pas fabriquer des amas? Oh, tu veux que je vienne te chercher en speed? Non, c'était bon, je vais bien réussir à... Je vaincrai le... Le système. Les pièges mis en place par mes soins pour te coincer. Au bout de 10 minutes. Ta technique, tu proposes de faire un multi et tu fais des pièges pour pas que la concurrence elle tourne. Bon, t'es en train de te rapprocher là, c'est bon. Ouais, ouais, je suis ressorti de l'île maudite. Je sais pas où fallait, mais je suis ressorti. Non, c'était pas là, c'était l'autre. Ah là là. Voilà, hop. Vous êtes témoin que le chemin est totalement trivial. Hein. Ah, il est à 300 mètres là. Voilà, c'est bon, t'arrives là. Hop, un dessus moi, à gauche là. C'est facile, ouais, c'est toujours à gauche. À gauche, suivant là où tu te trouves. À gauche. C'est toujours à gauche. Comme ça, selon là où tu te trouves, c'est toujours à gauche. Et quand on va dans l'autre sens, c'est toujours à droite. Mais, tu es hyper lent. Tu sais que tu peux accélérer sur les trucs? Oui, ouais, je sais, mais j'avais pas accéléré. Le rallye commence et vous êtes pas là. J'arrive. Et en plus j'ai oublié de faire des câlins au dragor donc je suis pas full life. Oh, c'est quoi cette armée qui se pointe là? 19. Ouais, puis non mais surtout 19, mais ils sont tous apparus d'un coup quoi. Bah oui, y'a personne. Okay. Y'a personne pour m'aider. Ah bah si, ça y est, Bourdaf il est là. Bah bien sûr qu'on est là. J'ai déjà buté la moitié de ceux qui étaient de l'autre côté. Arrive toujours au moment où c'est important. Il n'a jamais été absent en fait, c'est surtout ça. Ah.
C'était un, fake. Bah c'est vrai que du coup techniquement vu que je tourne pas, c'est moi qui étais absente. Putain la vache, il est... Hop. Ouais. Et voilà. Oh. Il y a eu plein d'enveloppes. Bon, alors... C'est quoi les enveloppes? Bah les petites enveloppes avec les vêtements dedans. Moi j'ai vu, t'en as eu deux. Ah. Hop, on fait le plein. Ils sont où, Dragor? Je veux faire des câlins, ils sont où? Ils dorment. Bah oui, mais je vais pas les réveiller quand même. Ah, ils ont réussi à casser le truc électrique, dis donc. Oh. Ce qui veut dire que c'est un petit peu la dèche là. Sont-ils récupérés, pas des masses en fait mon gars. Après, plus ils sont vieux, plus ils redonnent de la vie quand tu les... Oui. Quand tu leur parles. Mais là ils faisaient dodo alors j'avais pas vraiment le choix. Ah, tu bloques le chemin complètement. Bah je fais des petites chicanes, hein, parce que là ils rentrent en ligne droite quand ils sont trop nombreux, c'est un peu chiant. Ouais. Alors, c'est pas tu peux pas mettre des grandes palissades tant qu'à faire. Bah je ferai une deuxième barrière en grande palissade, mais j'aime bien les petites parce qu'on peut sauter par dessus et puis on peut aussi mettre des trucs défensifs qui peuvent tirer par dessus. Allez, venez parler. Hop. Après, faudrait qu'on les fasse grandir. Si on passe au niveau d'après, on aura des trucs un peu plus efficaces pour l'électricité, la bouffe et tout. Ah oui, c'est un labyrinthe que t'as fait. Labyrinthe. Ouais. labyrinthe. Carrément. Ouais, faudrait passer à l'étape au-dessus parce que là, en divertissement. Ils sont négatifs. Ouais, c'est parce qu'il est pas alimenté le flipper, mais dès qu'il sera réparé puis qu'il y en a qui courra dessus, ça devrait aller mieux. Ah oui, on a deux enfants, trois adolescents et un adulte. Il reste des enfants à récupérer. Il n'y a plus personne à récupérer ici. Allez, non, putain. Toi. Ah oui, il y a juste des îles à finir de découvrir. Ouais, j'ai déjà essayé de monter les enfants si possible. Ils sont où, toi? Hop, viens ici. Bam. Bam. Et attends, est-ce que nous on le voit? Est-ce que nous on le voit? Eh, nous on le voit aussi. Hop. Cool. Voilà, ok, 10 XP, ça c'est fait. Ouais, on a plus d'eau maintenant. Et puis, faudra penser à faire la quête de... Bah quand on va faire le rituel, ouais. Je pense que là, on a l'équipement qu'il faut, là. Oui, on est pas mal, là. Là normalement, on doit avoir... Ah, on en a un résistant à l'éther. C'est cool. Ouais. Ouais, enfin, je trouve pas super super intéressant par rapport aux autres. Je suis assez d'accord. Ouais. Alors, on peut faire les élevages de homards. Ça va être très très bien, ça. Par contre, niveau énergie, c'est toujours un peu la dèche. Ça fait combien? Ça fait 5, ce truc. Oui, on va aussi débloquer ça. Relais ouais, d'alimentation. On pourrait se faire ici une petite production électricité flotte là par exemple, il y a de la place. Bah, le relais d'alimentation, j'arrive pas à voir l'intérêt en fait. C'est pour que ce soit plus propre principalement. Du coup tu peux relier tes tuyaux et puis après quand tu démontes des trucs, au moins ça part pas en sucette. Hop. Par
exemple, mettons qu'on se dit duck, on va mettre ici un petit élevage de homards. Ouais. Moi je trouve ça trop cool l'élevage de homards quand ça a commencé à faire de la nourriture. Bah, je ne connais pas. Tu vois les homards dedans en fait. Ouais, puis quand ils mangent les homards aussi. Ils sont donc carnivores. Ah bah complètement. Et nous on les nourrit avec des salades et du... Enfin, avec des choux et des carottes quoi. Et je comprends pourquoi le divertissement c'est pas top. Hein. Comment ça? Bah s'ils aiment la viande et que tu leur files des légumes, bon. Alors bah c'est des choux, tout le monde aime les choux là. Léomar. Ah non, t'as pas mis l'électricité encore. Ouais bah attends, deux secondes. Déjà il raccorde l'eau. Hop, voilà, déjà on raccorde l'eau, ensuite électricité. Bah oui, je suis d'accord. Pour les petits bruits, ils veulent Léomar aussi. Hop. Déjà, on envoie l'eau, après, un relais. À terme, il vaut mieux relier tous les trucs électriques et les trucs d'eau parce qu'ils sont... Ça fait un seul circuit, donc... Ouais, quand tu veux que je relie les homards, si tu te mets devant. Alors là, elle va être un petit peu de jeu, je pense, la roue, mais bon... Il y a moyen. On manque plus que les homards. Ouais. Mais au moins les homards ils font de la bouffe sans qu'on ait besoin de mettre rien dedans, donc c'est quand même plutôt rentable pour ça. Et comment tu les mets les homards? Regarde, il est poussé dedans. Ah ouais, ils popent tout seul. Il leur faut de l'eau et de l'électricité, mais ça génère de la bouffe tout seul, ouais. C'est bien connu, ouais. Attends, t'as pas vu les jacuzzi avec avec des des sèche-cheveux? Ah. Ok, donc ça c'est pas mal. Niveau statut, on est comment? Niveau haut. J'ai pas confiance dans tes jacuzzi quand même. Tu verras. Si on est pas tout de suite, hein. C'est niveau 6 ou 7 je crois. Moi, je suis déçu. Il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. Ouais, le jacuzzi avec des... Mais c'est trop nul parce qu'il n'y a pas de petits canards, ni dans les jardinières baignoires, ni dans les jacuzzi. Pourtant, tout le monde le sait, hein, on emmène des petits canards en plastique quand on prend le bain, normalement. Oui, bien sûr. Non. Tout le monde tu le fais sait. Fais ce que tu veux quand tu prends ton bain. Hein. Ah, tu ne savais pas, ta vidéo vient de passer 18+. Hop. Ouais, voilà. Ah merde, j'ai démonté, putain, on a mis ce clic. Reconstruisez-moi ça, là que ça saute. C'est dingue de glander comme ça. Ah, normalement, on devrait pouvoir les monter quasiment tous adultes. Et derrière, gagner au moins un niveau supplémentaire de camp, je pense. Bah, et Snifflet, il est monté sur le. En même temps que moi. Du coup, voilà. Il m'a fait descendre. Avec deux trucs qui électriques, ça devrait être déjà un chouïa mieux. J'avais rien à mettre là-dedans. Ici il faut de l'eau. On va mettre un point. Un petit point d'arrivée d'eau pour les futurs trucs de flotte. Maryport, pourquoi t'as pris un chou? Pourquoi t'as pas pris un homard? Ah, ils sont pas encore assez grands, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que ça grouille, hein, ma vache. Je te fais grandir un des dragons. Vas-y. Oh, je plouf. Ouais, c'est trop mimi. On l'a vu faire flou sur lui-même. Le petit apiculteur en plus.
Ouais, je vais avoir encore plus d'abeilles. Et hop, la petite fontaine à eau. Omar. Bah, c'est dans 37 secondes, les Omar. Alors, qui c'est qui est pas encore... Toi. Hop. C'est vrai que c'est dommage, quand on se met en mode... inspection, là, avec X, on voit pas leur niveau. Bah, tu le vois avec les talismans qu'ils ont, en fait. Ah oui, avec les petites étoiles. Non, avec le niveau de talisman qu'ils ont. S'ils en ont 30, c'est qu'ils sont adolescents par exemple. S'ils en ont 50, c'est qu'ils sont adultes. Bien sûr, oui, faut pas que tu leur aies pris quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Alors, on a gagné un niveau de camp. Du coup, on doit avoir gagné un truc d'énergie. Ah non, j'ai juste la batterie, c'est tout. C'est tout. Ouh, 8% d'évitement de dégâts, c'est pas mal. On commence à avoir les premières défenses, c'est cool. Alors la serre, je suis toujours dubitatif parce qu'elle est à la fois hyper... Elle est pas du tout rentable en termes de nourriture produite par rapport au baignoire. Par contre, on consomme beaucoup moins de graines. Mais elle est gigantesque. Du coup, je pense que vu qu'on est un peu en déj de graines, faudrait qu'on en fasse une. Mais on va attendre déjà qu'ils aient consommé toutes ces graines-là. Moi, j'en mets au fur et à mesure, j'en ai encore sur moi. Il leur faudrait un autre flipper, mais je suis pas sûr qu'on ait suffisamment de... d'énergie. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah si, ça va. Ah non, si j'en fais un autre, ça consomme 3 flippers, je crois. Et t'aurais le budget pour faire les deux? Oui, on a 63 sur 85. Par contre, on n'a pas assez de circuit électrique pour un flipper. Et Broudaf, il a fait de la construction pour montrer à ses viewers? Là, non. J'en ai fait l'autre fois, mais vu que t'as débloqué de nouveaux trucs... Que là, c'est le signe qui fait tout, mais... J'ai mis des petits ballons de yoga en attendant qu'on puisse être un peu plus efficace. Au niveau haut, on est bien ou faut encore que... Alors, au niveau haut, statut du camp, on est à 32 de production pour 21 de consommation. Mais c'est le prochain truc, je pense. Si tu veux remplacer des puits, par exemple, ou poser une autre fontaine à eau à côté des fontaines à eau. Ouais, alors elles sont où tes fontaines? Là, à côté du puits. À côté du puits, là. Ah, ok. Il y a la petite arrivée d'eau et tout qui va bien, on peut relier. Bah, c'est surtout que là, il y a les trucs à relier en plus. Ça me montre des trucs. Quand plus... ils seront venus la construire. Copain! Ah, il arrive. Hop. En plus, ça prend moins de place que les puits, donc on pourra en retirer à un moment donné. Ouais, l'objectif c'est de remplacer les puits. Par contre, je crois que c'est 6 de budget et les puits c'est que 4. Non, les puits c'est 2 et les arrivées d'eau. Non, pas les arrivées d'eau. Les fontaines à eau c'est 4. Ouais, donc ça coûte 2 fois plus cher qu'un puits, mais ça a besoin d'eau. Et ça de niveau consommation. Par contre, sauf que tu passes de. Ouais. Par contre, ça fabrique 3 fois plus d'eau quoi. Donc c'est quand même rentable. Voilà. Parfait. Là, on devrait être bon pour quelques temps. On les a grandis comment du coup. 30. Il nous reste encore 3 adolescents. Le bûcheron, la résistance... Ah bah il reste le mur de fer qui est adolescent, c'est dommage ça. Il faut les faire monter ou... Bah Hammer, il faudrait monter Hammer. Si on peut... T'as encore plein de fragments... Pour Hammer, il y a besoin de quoi? Parce qu'il y a plein de fragments encore dans le coffre. Je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut. Non. Il faut des œils de tigre et on en a aucun. Dommage. Et quand on a les fragments d'œils de tigre, on peut pas les upgrader? Mais j'ai pas trouvé comment faire. En général, ils resservent quand tu retrouves un nouveau dragor et puis que c'est un bébé, quoi. Mais j'ai pas trouvé comment faire pour les upgrader. Bah, je sais pas, j'aurais dit comme le Lumiroc, en fait. Ah bah, faut... après, il y a peut-être un autre atelier de curiosité plus avancé qui se crée, mais...
Bon bah on se tente... Ah non, on se tente rien du tout parce que l'épisode est beaucoup trop long. On va s'arrêter là pour cet épisode et puis on fera le rituel au prochain. Oh, le rituel carrément. Ouais, bah là je pense qu'on est pas mal là. Ça, ce serait pas un peu cassé, non, ça va. Du coup, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye, bye.